Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Bonsoir, toute autorité, toute population indicale, monsieur le président. Bonsoir, imam. Bonsoir. Ok. Bon, il y a deux questions à poser. Et puis... Allons-y. Ma première question est là. L'islam et le chrétiens, entre les deux, c'est là, quel qui a été créé en première position ou bien en deuxième position? Ok, merci beaucoup frère pour votre question. Entre l'islam et le christianisme, vous posez la question de savoir quelle est la révélation, quelle est la religion qui a été premièrement, qui est premièrement venue dans le temps. C'est bien ça? D'abord, il faudrait d'abord qu'on parle du concept définitionnel des termes islam et christianisme, pour qu'on puisse comprendre lequel ou bien laquelle de ces religions est venue avant. Islam veut dire soumission à la volonté de Dieu. Jacques 4, verset 7, on dit « Soumettez-vous donc à Dieu et le diable fuira loin de vous. » Donc, soumettez-vous donc à Dieu, c'est ça qu'on appelle soumission. Est-ce que vous êtes d'accord que le prophète Adam, il était soumis à Dieu? Vous êtes d'accord avec ça? Bon, franchement, je suis quelqu'un, il veut apprendre un peu partout. D'accord. Il ne veut pas, voilà. Ok, le prophète... Ma question, s'il y a une réponse directe, là, je pose la directe question. Voilà. Ok, d'accord. C'est l'islam qui est venu premièrement et c'est l'islam qui est la seule religion donnée par Dieu. Le christianisme, ce n'est pas Dieu qui a donné. Voilà. Ok. La deuxième question aussi. Il y a souvent des films on nous montre parce que nous, on ne fait pas d'une génération. On dit Jésus, Jésus, on parle de tout. On dit catholique même là. On dit maman Marie. Mais moi, souvent, j'entends Jésus. Et puis, on nous fait croire que c'est le seul dans le monde entier sur la terre. Dieu a fait par ce monsieur-là, par maman Marie. Et comment il devait mourir, on dit le troisième jour, il a disparu dans le tombeau. Et partout, il n'y a jamais eu étape comme il a dit Jésus. Donc, ça là, c'est bizarre. En fait, le nom, c'est faux. Tout à l'heure, je dis, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman, mais tellement je veux connaître, peut-être moi-même, j'ai créé mon mouvement. En fait, quand elle prend tout, et puis voilà. Bon, merci. Hein? D'accord, je vais répondre à cette chose-là. Tu dois plutôt chercher comment tu vas te sauver. Est-ce que c'est l'islam qui peut te sauver pour que tu puisses aller au paradis? Ou encore dans l'allée, tu es dans l'allée, allez là. Tu n'es pas musulman, tu n'es pas chrétien, donc tu es dans l'allée. Maintenant, est-ce que l'allée là, ça sort au paradis? Le problème, c'est ça. Donc là, c'est pas bon. Donc, il faut chercher à connaître l'islam. En fait, l'islam, c'est pas une religion que les gens te font croire, en fait. Souvent, là, on te fait croire que tous les sabotés, là, c'est les musulmans. Tu vois, non? Tous les châtiments, c'est les musulmans. Les bombes, attentats, parce que c'est les musulmans. Donc, on te montre. Non, là, je vous coupe la parole. Parce qu'il y a une chose que je veux dire. Les musulmans dont vous parlez là, il y a le marabout qui fait que quelqu'un qui était dans la poubelle, un fou il apprenait. Et puis, si. Marabout ne peut pas faire ça. Pourquoi il dit ça? Parce que le marabout a ouvert des portes pour des personnes qui m'ont dit, bon, où est-ce que péché aussi? Je ne sais pas. Hein? Faut-il confondre marabout et puis charlatan et féticheur? Bon, ceux-là aussi, font voilà. Des, ça fait tu vois des personnes aujourd'hui. Je t'explique maintenant. Un roux dans les Bumba Kies. Non, si, ça. C'est... Si maintenant 10 000 matières prennent. Si vous allons, il y a réel. Faut pas se trafiquer. Ça, c'est pas marabout. Okay. Marabout, là, ça veut dire maître. C'est-à-dire, c'est celui qui nous enseigne l'islam. Quand tu comprends pas l'islam, tu t'approches du marabout qui n'est pas le féticheur, qui n'est pas le charlatan. Il y a charlatan, là, lui n'est pas musulman. Féticheur, lui n'est pas musulman. Marabout est musulman. Marabout fait pas fétiche. Quand tu viens voir un marabout, là, qui est considéré comme l'imam, il te dit non, je te fais des bénédictions, ça s'arrête là. Ou bien il te donne par exemple, il te dit bon, à 2h du matin, il faut te lever, il faut faire deux cycles de prière, adresse-toi à Dieu toi-même. Et puis il va te dire, est-ce que tu es en parole avec Dieu? Non. Mais pourquoi tu le laisses et puis tu viens vers moi? Retourne vers l'éternel Dieu. Parce que le Coran dit, quand mes serviteurs, tu fais partie des serviteurs d'Allah, c'est vrai que tu refuses de le servir, mais tu fais partie de ses serviteurs. Quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, Allah, il faut leur dire, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Lui aussi n'a qu'à répondre à mon appel et qui croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Donc Allah t'appelle en ce moment. Jésus dont tu as parlé, le monde entier parle de Jésus, c'est vrai. Mais le monde entier a parlé de Michael Jackson, non? Il est où? Le monde entier parle de certaines personnes aujourd'hui, ils sont où? Le monde entier a parlé d'Arafat Dike, il est où? Bon. Le monde entier en parle des gens, des uns, des autres.
Il y a eu des Nelson Mandela, le monde entier en a parlé. Il est où? Donc ce qui va rester éternel, c'est l'éternel Dieu lui-même. Et si tu ne connais pas ton Dieu, et que par exemple, tu te trompes d'une divinité, mais là il y a le danger. Parce que si demain, si on meurt tout de suite, Dieu te demande là, tu adorais qui? Tu ne peux pas répondre. Tu n'étais ni musulman ni chrétien. Donc nous on te dit par exemple, c'est être musulman là qui peut te sauver, qui peut t'amener au ciel, qui peut t'amener au paradis. Ça c'est coranique et c'est biblique. Tel que les musulmans, on croit en Jésus, mais nous on ne l'adore pas. Parce que ce n'est pas Dieu. On croit en Maman Marie. Maman Marie a un chapitre complet dans le Coran. Mais dans la Bible, Maman Marie n'a pas une feuille qui lui est dédiée. Donc être musulman et non-musulman qui considère Maman Marie. C'est le musulman qui considère Jésus. C'est le musulman. Oui. Parce que nous on dit, il est l'envoyé de Dieu, il est prophète. Il n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu. Et nous exhortons ceux qui disent, par exemple, Maman Marie, mère de Dieu. Nous disons non, présent. Elle est de toi, mon Dieu, pas ma maman. Dieu est un mystère. Non, réponds à ma question. Est-ce que Dieu peut. Dieu peut pas avoir maman. Merci, c'est ce que je voulais savoir. Si Dieu ne peut pas avoir maman, maintenant la maman de Jésus, c'est Marie. Bien sûr. Maintenant, est-ce que c'est la maman de Dieu? C'est pas la maman de Dieu. Voilà, c'est pas. Non, tu as le nom même. Okay. Il n'y a pas fini. Non, c'est là. Il y a une dernière question, pas après. Il y a des petits mots maintenant. Maman, il y a une question pour toi même. Ça dit que même là. Tu nous attendais à Dieu, nous-mêmes. Non. Tout à fait spirituel, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Non, Dieu qui est. Allah, on a une idole dedans. Non, Dieu qui est. Nous, on bat. Ok. Non, non, Dieu là, il ne mange pas. Il dort pas. Ah, si Dieu dort là, qui nous gouverne? Qui nous surveille? Il dort. Si tu n'as pas moyen pour avoir. Ah, Dieu! Satan même dort pas, lui il va dormir quoi. Non, c'est pas notre Dieu, le Dieu des musulmans là. Et puis il ne meurt pas. Ah, si toi tu meurs là, Dieu, nous on est foutu. Satan lui n'est jamais mort. Jusqu'à demain, Satan est toujours là et puis il garde son mât pour partir. Oui. Donc l'éternel Dieu nous dit, revenez vers moi. Et puis lui, Dieu, l'éternel Dieu des musulmans là. Ah, chacun a son Dieu, hein. Le Dieu des musulmans. Est-ce qu'on va aussi? Voilà. Jusqu'à Henri, Dieu même des esprits. Non, ceux qui disent. Ça va être Dieu où tu es là. La Bible, selon la Bible, oui. Mais. La Bible, en créant un mouvement, ça prend. Ils ont dit un nom, dit. Adam, bon Dieu vous a adoré. Jésus est mort il y a longtemps. Ah. C'est lui qui a adoré encore. Et puis il est venu à bien son nom. Bon, il n'y a pas dit l'aide. Il n'y a pas dit non. Non, c'est comprendre. Bon, ça, t'as un peu. Maintenant, toi, où tu es là? Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Question. Une seule chose qui t'empêche. Est-ce que tu n'as pas boire brûlé encore ou bien tu n'as pas mangé pomme ou tu n'as pas fait chaud? Allez, il y a pris deux petits même. Il y a pris deux hommes. C'est pas vous. Mais ça va, tu ne sais pas si tu es allé là-bas. Tu es parti là-bas. Mais tu viens là de vous. Il a dit. Il te prend. L'autre te prend. Il a dit, on te prend. Voilà la vérité qui est là. Quand tu es dans les musulmans là, les manières d'adorer Dieu. Les manières de se prosterner, ils font tous ensemble, même chose, t'as pas remarqué ça? Je suis d'accord avec toi. Voilà, t'as dit que, et puis là, c'est pas bruit, hein. L'imam est là, il est concentré, et puis il lit le Coran. Il y a la même chose de répit, il pleure, tellement ils sont concentrés. T'as dit que nous, on a lui-même, on a Dieu, il est là. Et puis on le prie maintenant, et puis on demande pardon pour ce qu'on a fait. C'est ça, on dit Dieu, mais quand tu vas adorer Dieu et puis tu danses, ça veut dire quoi? Oh, pourtant, ils t'ont dit. Elie a dansé. Et t'as fait salto. Viens voir comment c'est pas dans. C'est pas dans, non. Tu as remarqué. Elle est dans ça là. Eh, on dit Elie a dansé. Elie a prié. Ou bien c'est David ou Moïse. C'est David. C'est David. C'est quand David dansait là, est-ce que c'était pour adorer Dieu? C'est après l'adoration. Mais elle entend. C'est rien quoi. Voilà ça. La Bible dit, David, Psaume 95, verset 6. David dit, venez, humilions-nous, fléchissons les genoux et prosternons-nous devant l'Éternel pour l'adorer. Notre Créateur. Aïe! Est-ce que pour adorer Dieu, on va chanter dans cette. Attends, comment dans Maki on danse, on va les prier à la mosquée, on va danser. Question. Dans Bois de Nuit, on danse, on danse, dans la mosquée, on danse. C'est pourquoi tu dis, dans le monde musulman, on doit chasser Satan dans la mosquée. Jamais. Satan, non, là, jamais. Mais il va. Plus souvent, il fait pas que Satan. Bah, attends, si Satan rentre pas chez toi, tu vas le chasser? Non. Il va rentrer à la mosquée comment? Non, on le chasse pas. Bah, on le cherche même. Nous, on le cherche même. Mais pourquoi dans l'église, là, je vois pas un coup, il en dit. Parce qu'il est par en bas. On va parler. Pour laisser, moi il dit, pourquoi toi tu n'es pas devenu musulman et puis toi tu es un moron jazz et puis toi-même tu as rencontré le Seigneur après ta mort là, frère. C'est feu, hein. Et puis feu là, c'est pas petit feu, c'est jazz, hein.
Ça va, vous m'avez dit ça.